Coucou mes amis Verseau, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Lima. Nous allons faire votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2023. Donc pour vous les amis Verseau, j'espère que vous allez bien et que tout ce qui se dit se révèle instructif. Voilà. Donc, merci à vous d'être là et de me soutenir. Donc, j'ai tiré la thématique du mois avec l'impératrice. L'impératrice, donc, il y a des projets. Vous vous mettez en action, les amis. Vous avez commencé à vous mettre en action au mois de mars, mais là, au mois d'avril, vous, je pense que vous allez mettre les bouchées doubles. D'accord, parce que bon, il faut passer à l'action parce que il y a de la création, il y a de la création qui est en gestation. Hein, que vous avez vraiment un projet en gestation qu'il faut concrétiser. D'accord. On me parle de l'ouverture avec la carte de l'énergie, les portes de l'intuition, l'ouverture. Donc, si vous mettez ce projet à l'œuvre, pardon, 1, 2, 3, évidemment, il va y avoir des ouvertures. Mais voilà, donc on me dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, ne soyez pas dans l'auto-sabotage, d'accord? Ouvrez-vous vraiment à ce qui vous fait vibrer et au non-jugement, d'accord? Moi, c'est ce que voilà, c'est ce que me fait ressentir cette carte, c'est que c'est la carte un peu de l'auto-sabotage, parce qu'il y en a qui vont peut-être avec le 5, le pape, vous pouvez avoir l'unité avec le pape, l'unité c'est le pape, hein, donc avec l'archange Sandalphon, donc déjà. Donc, vous êtes vraiment, vous avez des appuis. On vous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Donc, c'est ce que vous allez faire, amis Verseau, dans ce mois d'avril. C'est que vous voulez vraiment mettre votre projet à... Vous voulez vraiment faire naître ce projet. Donc... Il va y avoir des ouvertures hein, que vous allez prendre avec amour, d'accord? Sans vous auto-saboter. Et l'archange Sandalphon va vous y aider. C'est vraiment ça, quoi. Vous allez trouver des gens inspirants, des mentors qui vont vous conseiller, qui vont vous guider. Donc, c'est bien, c'est très enrichissant. On me dit aussi qu'il va falloir aussi penser à vous reposer, amis Verseau, sur ce mois d'avril, hein, avec campagne santé. On me dit que de mettre ce projet à exécution, ça vous a pris un peu beaucoup d'énergie, d'accord? Donc, peut-être aussi que vous allez vous reposer, mais aussi, ça va peut-être aussi vous rééquilibrer, hein. Donc, je pense qu'il va falloir au mois d'avril vous ressourcer, d'accord? Retrouver un peu votre paix intérieure et votre quiétude, quoi. Voilà, parce que c'est vraiment, ça vous a pris beaucoup, beaucoup, je pense que ça vous prend, depuis quelques mois, ça vous prend beaucoup d'énergie, d'accord? Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur ces énergies. On va aller voir avec l'oracle miroir ce que cela nous dit de plus. Ouais. Mais je confirme que il y a des moments où il faut se reposer. Il faut lâcher prise ne penser qu'à soi, être égoïste et penser qu'à soi. D'accord?
Allez, pour les Verseaux, avril 2023, s'il vous plaît. Verseaux, avril 2023, s'il vous plaît. Hop, les cartes qui se tournent. Ouais, vous voyez, on me parle encore de la santé, hein. Donc, on me dit que avec vous, ça dure depuis trop longtemps, hein, que vous trimez, là, vous mettez votre projet, ça dure depuis, moi, c'est ce que j'entends, là, ça dure depuis plusieurs mois, hein. Donc, il est temps peut-être de se reposer, là, de faire attention à sa santé. Si vous éprouvez des douleurs ou des choses comme ça, c'est votre corps qui réclame du repos, d'accord? Allez, mes guides, qu'avons-nous pour les Verseaux avril 2023, s'il vous plaît? Allez, mes guides, quel message pour les Verseaux avril 2023? Merci, merci. Alors, j'enlève ça qui m'énerve. Hop! Voilà. Allez, on y va. Ouais, bah c'est un projet de travail. Hein. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. C'est un projet professionnel. Hein. Bon, vous avez de l'intuition, vous voyez clair dans le voilà, dans tout ce qu'il faut faire. Il faut se stabiliser aussi. D'accord? Ouais. On va vous offrir une chance de vous stabiliser, mes amis, Verseau, au mois d'avril. Je pense que, point de vue professionnel, il va y avoir une ouverture, hein, une ouverture qui et ça va être pour vous intuitif. Quand vous allez voir l'ouverture, vous allez dire oui, c'est la bonne, quoi. Ça va vous permettre de vous stabiliser et cette ouverture, ça va être la bonne, quoi. Ça va être une chance pour vous. Hein. Ouais. C'est peut-être quelque chose d'étranger. Hein. Ouais. C'est peut-être quelque chose d'étranger à vous. Hein. Mais ouais, parce que vous allez peut-être rencontrer un mentor, mais ça peut être aussi un compagnon de route. Ça peut être aussi un compagnon tout court. D'accord? Parce que vous avez aussi le droit de vous faire plaisir, mes amis Verseau. Et je pense que cette relation va vous permettre de créer votre projet au mois d'avril, enfin courant avril, hein, d'accord? Et ainsi, vous allez pouvoir vous reposer, parce qu'on me redit encore la santé, là. Reposez-vous, il est temps, d'accord? Ouais. On me dit que vous avez plein de rêves à réaliser, oui. Mais vous allez les réaliser parce qu'il va y avoir la joie. Et ça va vous sortir de votre isolement. Hein. D'accord? C'est bien, c'est joli. Écoutez, hein, on va travailler pour. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce que l'oracle G a à nous dire? Ami Verseau, avril 2023, s'il vous plaît. Allez, ami Verseau. Avril 2023, les Verseaux, avril 2023, s'il vous plaît. Verseaux, avril 2023. Verseaux, avril 2023. Allez. Le travail a été long. Je pense que la naissance est longue à venir. Mais bon, soyons patients. D'accord? Ça va être... Vous allez retrouver la paix de l'esprit quand même. Une fois que vous aurez... Que vous serez ouvert à l'amour. Et c'est bien pour ça que c'est bien hein, la carte, les trois cartes là. Je les reprends parce que je n'avais pas vu. Mais en fait, quand je vous dis que vous allez avoir un mentor, un compagnon de route ou un compagnon tout court, l'ouverture me dit s'ouvrir à l'amour.
Donc, oui, je pense que vous allez vous ouvrir à l'amour et que ça va être vraiment un compagnon de route, hein. Un compagnon tout court, quoi. D'accord? Mais c'est... Et ça va aussi vous permettre aussi de retrouver la paix de l'esprit. Hein, je reviens un peu à mes moutons, là. Mais voilà, vous allez retrouver votre paix. La stabilité, bah oui, ça va. Comme je vous ai dit, vous avez le droit de vous faire plaisir, de vous avez le droit de vivre votre vie comme vous, voilà. Vous avez le droit d'avoir des souhaits, des désirs, et vous allez les mettre à exécution, quoi. Et la chance, on m'a, bah voilà, vous allez vous transformer. Ça va totalement vous transformer, hein, et vous élever dans la, voilà, un niveau. Parce que entre, voilà, ça fusionne, hein, votre projet fusionne. Je pense que l'amour autour de vous, ça va fusionner pas mal aussi. Et il y a vraiment un changement de cap là qui arrive. Hein. D'accord? Il y a des bonnes nouvelles, regardez. Vous allez retrouver votre équilibre, les jeux sont faits. On me parle de la polarité masculine, mais ça peut être aussi la féminine, hein, qui va avoir de l'abondance, de la chance, de la prospérité, et qui part sur un nouvel envol. Et ben, ouais, ça va décoller, quoi. Au mois d'avril, je pense que, allez, d'ici fin avril, ça va décoller, votre projet. Et vous restez plus sur une mer d'huile, quoi. On va vous reconnaître. Voilà. On va savoir qui vous êtes. D'accord? Puisqu'il y a de la concrétisation qui se fait, hein. OK? Bon. Après une période de dépouille, hein. Après une période où vous posiez beaucoup de questions, je pense, hein. Parce qu'avec l'arbre qui... L'arbre qui s'effeuille, là, c'est, voilà, c'est, ouais, vous saviez pas, on me dit que c'est la période automnale, l'arbre perd ses feuilles, mais pour moi, c'est, voilà, vous saviez pas où ça allait me être, où ça allait mener, quoi, votre projet, mais, voilà, je pense que là, vous allez savoir au mois d'avril que votre projet est viable, d'accord? Allez, avec la triade. De manière, l'impératrice, vous êtes l'impératrice, hein? Ouais. L'impératrice, elle demande que à mettre sa création au vu de tout le monde, hein. Voilà, vous allez sortir de votre isolement avec le chiffre 2 en plus. Donc, vous êtes vraiment, vous allez... Il va y avoir un duo, donc ça va vous faire sortir de votre isolement, mes amis Verseau. Allez, Verseau, avril 2023, s'il vous plaît. Avril 2023, les Verseaux. Oups, 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 oups. Elles partent dans tous les sens. Avril 2023 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Avril 2023, Verseau. Allez. Allez, mes guides, quel message pour les Verseaux, avril 2023? Merci, merci, merci. Oui, ben, c'est au sujet du professionnel, cet élan. Mais voilà, vous allez renaître. Vous allez vraiment renaître bah, de vos cendres, hein, mes amis. Vous allez vraiment. Parce qu'on aurait eu la mort, c'était la transformation. Mais là, bon, là, c'est le malheur. Mais on sort du malheur. On sort de l'impatience pour vraiment revenir à quelque chose de concret, ok? La clairvoyance avec la paix, bah oui, vous prenez tout ça avec sagesse, avec délicatesse, avec bonheur. Vous vraiment, là, vous êtes sur un nouveau cycle, de toute manière. On a le 9, on avait le 9 ici, on a le... Non, on a le 40, c'est pas grave. Mais on a, voilà, le 9, c'est vraiment, c'est la fin d'un cycle. Hein. La stabilité, la maison, la sexualité, qu'est-ce qu'on nous donne? Bon. Bah, vous êtes en plein apprentissage, en fait. Hein.
Vous apprenez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que il faut toujours apprendre, apprendre, apprendre. Voilà. Découvrir. Donc là, si vous vous stabilisez avec une rencontre sentimentale, parce que là, ça me parlait vraiment de plus de ça, vous allez apprendre à connaître l'autre, quoi. Vous allez vous apprendre mutuellement. La chance, la transformation, on a l'amour. L'amour, avec le rameau là-haut, c'est voilà, avec l'olivier, c'est une transformation, mais pour un grand bonheur, quoi. D'accord? Là, on me parle de mutation. Donc, effectivement, vous êtes en train de dérouler le fil de votre vie. Votre création va prendre place. Vous avez peut-être fait des dérapages, des ratés, avec les erreurs, mais vous avez peut-être pris du retard, mais vous avez peut-être aussi eu des adversaires à convaincre, d'accord? On me dit bien que là, vous avez, malgré la pénombre dans laquelle vous êtes actuellement, on voit quand même le point blanc, la lumière arriver, hein, avec le 8 de l'infini. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être pour du long terme et du concret, quoi, hein. Voilà, et on me dit qu'il va y avoir de la communication et peut-être décider d'un voyage, mais il y a de la fusion, hein. Vous êtes, voilà, avec cette deuxième personne qui vient à vos côtés, alors soit votre mentor, soit votre compagnon de route, ou soit votre compagnon tout court, mais ça va fusionner pas mal, hein. Et ça va quand même vous permettre de communiquer et d'envisager une vie plus lumineuse qu'une vie sombre, d'accord? Les adversaires, les rivaux, on n'en a rien à faire, quoi. Ils vous ont mis en retard, c'est tout ce qu'ils vous ont fait, d'accord? Là, il s'agit de dérouler votre vie, votre motivation pour activer cette mutation. Ok, bon, écoutez, c'est pas mal. Allez, on va aller voir avec le petit oracle pour les Verseau avril 2023. Qu'est-ce que nous avons pour les Verseau avril 2023, s'il vous plaît? Allez, sur le travail, l'escargot et le malheur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Bon, vous avez des amis fidèles. Et vous êtes fidèle à ce que vous faites. Donc, ne perdez pas espoir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour mes amis Verseau, avril 2023, sur le travail, l'escargot et le malheur? Travail, escargot, malheur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà. On me dit que pour l'instant, vous regardez. Mais vous n'entendez rien et vous n'êtes rien. Voilà. Je pense que vous ne voulez pas écouter ce qu'on a à vous dire pour l'instant. D'accord? Vous étudiez là, vous scrutez. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour mes amis Verseau, s'il vous plaît? On me dit qu'il est temps. Il est temps d'agir. D'accord? Allez, sur la clairvoyance, la paix et la sagesse, on me dit qu'il y a des contrats qui se signent. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Que l'univers vous tend la main. D'accord? Et qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, on me dit que, avec le caducée, oui, ça vous a épuisé. Et je pense qu'il y a des Verseaux qui sont fatigués, épuisés, d'où la carte campagne santé qu'il va falloir vous reposer au mois d'avril. Sur la maison, la sexualité et l'initiation. Écoutez, c'est votre karma, c'est pour du long terme, c'est infini, d'accord? Et sur la chance, le serpent et les amours, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est une union.
Voilà, vous allez vraiment vous unir pour certains, je dis bien, pas pour tous, parce que si vous êtes bien mariés et tout, et quoi. Mais grâce à ce projet, vous allez, je pense, rencontrer la personne qui vous est destinée, votre âme sœur, voilà, et que ça va vraiment vous apporter l'aide concrète que vous vouliez pour faire naître ce projet, d'accord? Et ça va aussi vous permettre aussi de vous unir à quelqu'un. C'est très beau, hein? Vraiment, là, le sentiment, grâce au sentimental et grâce à ce projet et plus le sentimental, ça fait égal une belle union. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais voilà. Allez. On va aller voir un petit message des anges, s'il vous plaît, pour les amis Verseau. Protection. Alors, les anges vous protègent, hein, de toute manière, hein. De manière, vous avez l'aide de l'univers ici, hein. Donc, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, n'ayez aucune crainte, les anges sont là pour vous protéger, pour vous guider sur la bonne voie. D'accord? Allez, avec la déesse de la compassion, la déesse Kuan Yin, quel message peut-elle nous dire? Merci. Bienfaits cachés. Alors, la déesse vous dit les bienfaits cachés. Avec le temps, tu verras la réalité de ce qui semble œuvrer contre toi et tu reconnaîtras mon service. Participe avec foi. Tout se déroule selon une vision plus large qui finalement sert ton âme. Voilà. Donc, en fait, la déesse, elle vous aide à évoluer, à pro. Comment dire? À approfondir vos connaissances avec l'initiation, d'accord? Et elle vous aide en plus à rencontrer la bonne personne sur votre route. Ok? Eh bien, écoutez, ça, c'est un très, très beau message. Très belle lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, ben, merci de me laisser un petit message si ça vous parle. Voilà, je serai ravie de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Voilà, ben, mes amis Verseau, je m'attaque au sentimental maintenant et je vous remercie de me soutenir et de m'accompagner, quoi. Voilà, de m'aider à m'élever. Voilà. Allez, prenez soin de vous et on se retrouve au sentimental.